Bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Tomb Raider qui est sorti au moins en 2008 minimum. Voilà, j'ai dû lancer, faire les tests son en normal et c'est parti en ego. Un célèbre explorateur a dit un jour. Bah oui, faisons des conneries. Mettez le son à plein sur la télé, voilà. Un célèbre explorateur a dit un jour. Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Voilà, excusez-moi, je suis de retour, hop, excusez-moi, voilà, hop, on est reparti, et c'est go. À l'aide ! Jonah ! Reyes ! Aidez-moi ! C'est évident qu'elle va t'entendre, c'est évident. Ah, tu vas finir comme le squelette sinon. Ah oui. Hop. Allez.
Ouah, y a pire quoi. Et voilà, là c'est bon. Là. Mais je te balance ça, c'est pour toi, pour que tu tombes sur les. Oh là là. J'avais pris assez d'élan pour que tu tombes sur les planches à côté. Hein. Allez, allez, on tire, tire, tire. C'est... Ouais, bah, t'imagines que c'est une mauvaise idée. Niveau mauvaise décision, là, t'es forte. Hein. Jamais faire ça, les enfants. Oh mon dieu. Jésus. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Voilà, hein. Maintenant, pendant le Covid, les cathédrales sont clandestines. Donc les gens, ils se réunissent où ils peuvent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Voilà. Une torche. Ça va, on est discret, on est bien. Ça va, on est discret, on est bien. Oh non, il a dû m'entendre. Non. T'inquiète pas. C'est pas vrai. Tout se pète la gueule, ça fait stresser ce bordel là. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Il faudra essayer d'être discret pour pas qu'on mouche. Pas grave, on est discret là. Ça va, ils ont rien entendu. Oui. Monsieur. J'ai senti ta main sur mes fesses. Alors arrête de faire ça, s'il te plaît. Vous touchez les fesses, ça m'aide pas, monsieur. Ah, c'est fou ça. Ouais, quand on ouvre les cathédrales, les catholiques, comment ils deviennent hein. C'est horrible. Faut laisser ouvrir les lieux de culte comme ça. Oh, c'est pas vrai. La marée. Il faut que je sorte ici. Ah, du feu. Merci mon Dieu. Oh, c'est pas Dieu qui t'a mis un truc là. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Bah, on appelle ça un ascenseur. Mais. Tu appelles ça comme tu veux après. Normalement ça va être le bordel là-bas. Allez voilà. Ok. Parfait. Voilà à quoi ça sert d'avoir un gros cul les enfants. C'est des bruits ramenés par la marée. Non, mais ça tu portes des caisses en bois de malade hein. Il faut que je sorte de là. Allez, allez, cours. Par là.
Ça fait, allez. Allez, t'inquiète pas, allez, ça. Il est mort, toi, ouais. Ils ont pas donné de touche pour courir. Ça, elle peut faire bien. Ah bah oui. Les touches Xbox, je les connais pas, les touches Xbox. J'étais sur PlayStation. Qu'est-ce que tu me donnes les touches Xbox, toi? Alors, me faire mourir sur le rocher, c'est pas m'aider, monsieur. Les gens bien fous. Mais on sait pas où ça mène, mais on saute. Allez, on monte. Allez, mat. Et Lara Croft est mort. Elle monte pour savoir combien plus ça sombre à son cœur. Comme quoi, même lors des aventures dangereuses, il faut savoir son pouls. C'est joli. C'est un jeu qui date... Je crois qu'il date de 2016, hein, le jeu. De 2016, mais je suis pas sûr. Allez, c'est tout. Au pire des cas, tu fais une chute de... Bon, de 3 mètres, quoi. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Il lui sert de dîner, si tu veux, mon avis. C'est Z-Forest ici, hein. Ok. Doucement. Ça va. Arrête. Et voilà. Tu vois, ça va. Eh, vas-y, c'est tout. Voilà, bien joué. Je peux pas faire quelque chose pour les sous-titres, c'est bien, mais ils sont dégueulasses, assez, quand même. Sur fond noir, ils ont pas essayé de le cacher, si vous voulez. Non, oh, pas du tout. Peut-être dans le graphisme, peut-être. Ils s'en battent les couilles. Ah oh, oh, il se touche, putain. Il a rien à foutre. Allez, on court. Allez. On... Ça va, t'as du sel de mer, tu plonges dedans et c'est bon, t'es désinfecté. Je sais pas c'est qui pilotait, mais c'est vraiment pas piloté. Je peux y arriver. Y'a que dans Star Wars on peut voir des véhicules comme ça, penchés comme ça. On n'est pas sur Star Wars. Hein. C'est fou, ça va aller. Allez. Eh oui, tu vois, quand même tu le dis, ça va aller. Allez. Cours. Malgré son rein perforé, elle va bien, hein, elle court encore assez vite. Hein. Enfin, elle a encore des réflexes de fou. Hein. Il
Il y a une légende qui dit que Lara Croft... Le sac de Sam. Elle a pas de limite hein, pour le sang, c'est... Son corps produit des globules rouges aussi rapidement que les mecs produisent du sperme. Ils ont dû passer par là. Est-ce que tu m'entends, EO? Oh putain, oh. Faut pas avoir des réflexes pour tout, écoute. Il faisait pas beau, genre il y a deux secondes. C'est quoi cette météo? On se croirait dans le Nord. Ah, oh, c'est de l'eau salée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. T'as abandonné, hein? Puis à mon avis, l'orage t'aide pas, quoi, si tu veux. On va parler avec la fumée. Ah bah là, te foire pas, là. Alors, à Croft, comment t'as, hein ? Elle allume des feux. Vachement vite, hein. Allez, quelle est ta radio préférée? Elle reçoit des appels comme ça. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Ah, pied dans la bouche, hein. Personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Par contre, les 10 autres personnes, ils ne font pas confiance, hein. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, allez, rattrape-le. Non, non, mais c'est ta chance, là. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous ridicule dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Bah ouais, et puis avec ta voix ridicule, hein. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir. Écoutez, ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai,
Tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Bah attends, on y fonce. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes ça sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Ce mec-là, il sait pas ce que c'est. Il a entendu la moitié de la conversation. Il s'en bat les couilles. Il a pas entendu la mort et la tempête. Il s'en bat les couilles. Il a entendu le triangle des dragons et il a fait cool. Allons dans l'univers Game of Thrones. Je peux pas rester là, rien faire. On est d'accord. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Regarde, allez, il y a une biche. Oh mon dieu. Le pauvre homme. Mais oh. Cet arc me sera utile. Cet arc est en bon état, dis donc. Déjà, on va ramasser les flèches, déjà. On voit pas d'autre. De toute façon, au pire des cas, je les prendrai après. Ça résonne vachement dans cette forêt, non? Je peux y arriver. Oui, vas-y, on peut, tu peux y arriver, vas-y. Ouais, nickel. Il va pas te mordre à mon avis. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Y a pas d'autres flèches. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Je suis d'accord avec toi, Bibiche, mais bon. Hop. Je connais les tours de la barre force. Là-bas. Et dans le cul. En pleine tête, en pleine tête. Boum! Bambi fait plus le malin. Désolé. Oh non, avec la tête que je lui ai mise là. Ça coupe assez bien et les flèches comme ça. J'en sais rien. Bon. Maintenant que Bambi est dépecé. Écoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Écoute la force, apprends Lara. Le langage de la terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Écoute l'environnement, écoute l'eau, écoute les arbres. Écoute la force. Seule la force te mènera là où tu veux, Lara. La force est ton ami. Peut-être m'apprendre à... les compétences, voilà.
dépensez vos points dans le menu compétences pour améliorer vos capacités. Une meilleure observation vous permet de repérer les animaux, des sources de nourriture difficiles à trouver. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les caisses de nourriture. Fouillez les caisses et les... Le fubile en fait. Non, ça veut pas. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer les matériaux supplémentaires. Voilà. Qu'est-ce que je peux prendre? Ça, je peux prendre ça? Non, aucun recyclage. Les archers, hein, toujours plus de... Fouillez les cadavres des ennemis ou des animaux tués avec l'arc pour récupérer des flèches. Il faut que je sois occupé de l'arc. Je suis équipé. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross, Lara, tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait. Puis et puis il y avait un cadavre. Puis je t'ai entendu me parler. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment... Je crois que c'est tout pour devenir un Jedi, Ross. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Oh, casse pas les couilles, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option... C'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Le mec, c'est quand même un beau salopard quand même. Ross, je suis pas bien, je suis perdu. J'ai vu des morts. Je crois que je crois que ma santé mentale commence à s'affaiblir. De la musique? M'en bats les couilles, Lara. Lara, eh oh, casse pas les couilles. Y a quelqu'un? C'était fermé ça avant. Y'a un mec qui passe par là? Toujours prendre les torches. Je vais passer par là. Ça a l'air sûr. C'est pas vrai. On entend les moines Shaolin, hein? Qu'est-ce que c'est que ce chant au fond, quoi? Surtout. Et d'où? Ouais, on entend ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous dites les églises, hein? Covid, tout ça. Tous les lieux de culte vont devenir dangereux. Hein. C'est de la folie. C'est même pas les catholiques, hein, vu le champ, moi j'irais plus. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Vu le champ, je dirais l'islam. Hein. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. C'est dans le style oriental. Hein. À cette époque-là, je me souviens pas qu'on parlait beaucoup des Vikings, donc ça peut pas être un chant du vieux Nord. Hein. Bah oui, on peut faire le tour, mais c'est tellement plus drôle que ça. Voilà. Ta gueule! Je sais pas d'où on t'entend, toi. On les connaît. Ok. Ah, j'ai rien contre ces gens-là, mais putain.
cas sa culture, mais alors ces chants là, quand tu sais pas d'où ça vient, qui te met juste ces chansons là pour en mettre, bon. Je sais pas d'où on entend du. Sam. C'est un peu abrupt, je l'ai peur. Tu as entendu? Oui. On a fait du feu, cherche la fumée. On est en route. Lara. Est-ce un copain? Sam, Dieu merci. T'as pas reconnu sa voix. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Pourtant, c'est accueillant. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Mathias, je suis enseignant. Tu ressembles à un méchant de Resident Evil. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans... Elle paraît qu'elle a des seins incroyables. ...sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Elle a des seins de déesse apparemment, Iniko. Énigmatique, mais aussi intraitable. D'où le dieu solaire. Hein. Tu vois ça, t'es ébloui. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers et au-delà. Et la Raccraft mourut brûlée, car elle est tombée vers l'avant. Mathias ? Sam ? Et ça, ça te dit bonjour et derrière, ça te quitte. Hein. Pouah, les amis. Merde. S'il te plaît, il y a une personne qui a cru que j'étais un loup. Oh, me semblable. Oh, il va falloir que je me défends. Oh, c'est quoi cette visée de l'enfer là? Oula putain. Je hais ce genre de choses là. Petit cabot, retourne les niches. Heureusement qu'il met en ralenti. T'es mort. Là, y'a plus personne. Allez, retire vite ça. Ah, maintenant je peux arrêter de hurler. Attention. J'avoue que tirer sur le pied pour se libérer, c'est pas trop mal. Hein. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Oh putain, on est avec lui, hein. La leçon du maître Jedi qui va nous donner. Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Maître Shaolin.
Ouais, si tu peux revenir aussi, en fait. Hein. Parce que c'est pas que tout le monde part, mais... C'est pas si mal. Ok. Des... Je suis plus en flèche. Bon, bah, tant mieux. On ouvre ça avec la pioche. La pioche ? Un piolet plus solide. Ah. C'est quoi ça ? Une lenteur inacceptable. Putain. Ah merci. Mais vous voulez pas la sortir sa torche, putain ? On peut ici là. Par où commencer? Disponible, donc pas dessus. Journal de Lara. La collection, elle a commencé. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Ils l'appelaient la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces, et il est tombé dans l'oubli. C'est qu'il n'était pas important. Clairement, on a raté des choses, mais... Je le vis très bien. C'est de là où on vient, ça. C'est de l'endroit où on vient, donc c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas grave, hop, paf. On venait d'ici, on venait d'où ? Lara ! Là-haut ! C'est pas là. J'ai trouvé quelque chose ! Ça ne me dit rien qui vaille. Là-haut, sur la montagne, hein ? Sur la colline ! Cherchez le grand portail ! Oh, salopard. Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Ah, un peu, parce que là... Ouais. Ah non, c'est des sales bêtes. Hein. Merci, c'est moi qui viens de libérer la voix, s'il te plaît. Des flèches, ils en donnent, mais on peut prendre que dalle, c'est abusé. Hop. On profite pour prendre tout ce qu'il y a. Tac, 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 tac. Il n'y a plus rien à prendre. Un feu de camp. Fascinant. Deux styles bien distincts. Ah bah là, tu vois que c'est pas ouvrable. T'essayes, ça s'ouvre pas, tant pis, hein. Ouais, moi j'aurais quand même tenté avec le piolet. Là-bas. C'est important ce genre de choses. Hein. Excuse-moi, hein, j'arrive. Hein. Donc ici c'est que c'est pas fouillé ici. Ici c'est pas fouillé. Fouillé, bon bah je ferai ça quand... Hors vidéo.
si je peux. Faut que je trouve vraiment la touche pour courir, parce qu'elle est lente. Mais elle est lente du cul. Hein. Ah, c'est... Commande de la manette, voilà. Esquiver, sauter, chargement, choisir arme, statut joueur, pause, tirer, tir alternatif, on ne peut pas courir. Corps à corps, ah j'ai trouvé le corps à corps. On y va en mode rugbyman. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. C'est Imatai. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. À en juger par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Ah, on va pouvoir enfin le solidifier. Quoi améliorer mon piolet? Écoutez, je reviens tout de suite. On fait une petite ellipse sur YouTube. Donc vous avez, ça va couper. Ok, heureux. Et ceux qui sont sur Twitch, ben. Ouais, donc là, il faut. Devoir attendre. Hop, il est là. Où les matériaux récupérés, ça me paraît logique. Tu me fais quoi là? Ah putain, vraiment les touches Xbox, putain. Oh là là. C'est une adaptation. Voilà. Voilà. Force. Bien joué. Quoi de bad? Prête pour faire un essai? Ok, je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez. Force, ça va aller. Ah d'accord, ça se referme pas si vite que ça. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko? J'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses. C'est vrai, c'est vrai. Je croirais entendre mon père. Le féminisme, battons-nous les couilles avec, hein. Whitman s'en bat les couilles. C'est un homme, il a des poils sur le torse et la place de la femme, c'est dans la cuisine. Incroyable. C'est bien, Himiko. Regardez, le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Bah cette ouais. île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite, vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Je pense qu'on est baisé. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Ah. Ah. Non. Ah. Bien joué, Whitman. Laissez-moi. Ah, une femme, je suis sûr, elle est pas épargnée. Ne leur résistez pas, Lara. Bah... Faites ce qu'ils demandent. Daim ne pistolet. Idi. Pashla. Oh, il doit être vieux comme jeu pour que les méchants soient des Russes, hein. Mais qui êtes-vous, enfin? Qu'est-ce que Kika. Vous... Lara. Allons, notre fourchette, ma chère. Leur faites pas de mal, je vous en prie. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Forcément, les Russes, les méchants, ils essaient de violer, hein. Lâchez-la! Lâchez-la! Lara, go! Oh! Accrochez-vous!
Accroupi. Boum. Tu vas pas me tuer. Une fois morte, tu peux plus me violer, quoi. Enfin, ça va pas trop t'attirer, quoi. Est-ce que je peux le... Non. Ok. Oh. Ah bah si, ils vont pas hésiter à me buter. Donc quoi, être une femme dans une île où il y a que des hommes, ça ne sert à rien. Faut bien se planquer. Ah putain! Mais mec, je suis pas du tout discret! Comment on fait? Comment on fait pour être aussi discret comme un hippopotame? Après, tu me diras comment on a fait tomber la passerelle au début du jeu. Alors, elle doit peser au moins une centaine de kilos. Hein. Si ce n'est plus, hein. Mais 192C là? Me voir du dé. Voilà. Ça passe. On aurait besoin de nous mettre au bain. La fille s'est barrée, ouvrez-l'œil. Ok. Moi, je me suis barré. Ça va pas, non? Tout de suite, la faute de la femme, là. Non, rien. Tuez les autres. Ouais, voilà. Tiens, думаешь, спрячешься, кукла? Quoi ça sert de tourner la tête? Ah! Il m'a trouvé! Ouh! Putain! Bim! Mike Tyson, mon frère! Dans les couilles! Non! Non! Je lui ai tiré dans les couilles! Connard, dégage! Oh putain! Voilà. Ouais, avec une balle. Il y avait qu'une balle. Ce mec, il se balade avec une seule balle, quoi. C'est une balle pour se suicider. Mais lui a vite servi. Ça va, tu vas en buter une cinquantaine après. C'est évident. C'est le plus important. L'arc, voyons. Par contre, personne n'a rien entendu. Ah, merci. Ok. Le petit sens d'assassin. Oh, j'ai plus de... C'est pour ça qu'ils donnent autant de flèches en fait, c'est parce qu'ils vont servir à rien, et ils le savent très bien. C'est dégueulasse hein. J'ai encore mon... C'est nickel. Ouais.
Mais t'as plus de balles, qu'est-ce que tu vas faire? Ah. A été touché? J'en ai une! Elle est descendue par là-bas! Elle est morte? Je sais pas! Laisse tomber! On sait que t'es là! T'as nulle part où aller! Ouais! Dis-moi! Elle a un feu! Ne vous approchez pas de moi! C'est clairement là où on regrette la, la souris. Hein. Les fouiller, c'est important. Ça prend une seconde, c'est rapide. C'est bien. On aime bien quand c'est rapide. Y'a rien à prendre. Plus du tout, j'ai tout fouillé, j'ai tout pris. J'ai plus de. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Ça va faire, ça va faire. Ah, il pense. Oh, nickel, ça va, putain. Des flèches, le mec il se balade avec des flèches. J'ai cru qu'il avait un pistolet mais non. Hop. Alors voyons ça. Portefeuille. Téléphone cassé. Toujours les mêmes merdes. C'est quoi cette fois, un pétrolier? Non, un bateau de recherche. C'est mes decks. Oh! On parle autrement une jeune femme. Voyons. Comment ils parlent de nous jours, les hommes là? C'est parfait, par contre on en chope des trucs là. Là c'est bien. De la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Ouais, mais laisse-moi monter. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligé d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Je me sens mal. Ça a dû être difficile pour toi. Je me sens immonde. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Toujours plus de flèches, non? Quel Whitman, je crois qu'il s'appelle, hein, le macho là. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? À mon avis, les hommes qui sont sur cette île. Un feu de camp? Un feu de camp, l'avantage nickel. Avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard. On finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non. N'y pense pas, Lara. Ouais, tu te sentiras mal plus tard. Ça ne sert à rien. Oui, exactement. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'ils n'aient rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. Ça pourrait être utile. Bah les gens qui sommes sur YouTube, on va se retrouver pour un prochain épisode sur Tomb Raider. C'est un vieux jeu, mais c'est toujours sympa de jouer au vieux jeu.
On se retrouve du coup, me demandez pas de date. Donc sur ce, au revoir les gens.